Ce dimanche 13 décembre 2020, l'église Source Féconde a réuni les enfants des dieux qui sont venus passer un culte de bonne nouvelle au numéro 2, avenue Moussonoï, quartier Mission, commune et ville de Likassi. Au menu, la louange, l'adoration et la parole de Dieu. À la suite des 21 jours de prière organisés par l'église sous les leaderships du pasteur Désiré Mbaye, avec comme thème « La puissance de Dieu est disponible pour quiconque croit ». Le premier orateur des six assises, le pasteur Abel Kyungu, a clôturé ses interventions avec le message basé sur le prophète Élie, selon le livre de 1 roi, 18, 36 à 39. Élie était appelé à établir l'ordre en Israël. Élie a dit oui, il n'a pas des conditions. Élie n'était pas n'importe quel prophète. Élie a quoi la Bible? C'était un prophète que Dieu lui-même avait établi. Alors, il n'a dit qu'on est avant nous, mais quelqu'un a dit que souvent, lorsqu'il y a le vrai, ça y est, il le prédicateur a démontré que lorsque Dieu veut manifester sa puissance, il le fait de deux manières, le feu et la lumière. Il renchérit par la suite que, pour que la puissance de Dieu soit effective, il faudra marcher dans la sanctification. La sanctification, c'est un point qui doit accompagner les chrétiens tous les jours dans leur vie. Nous n'avons pas les chrétiens dans la crise aussi que nous sommes dans la crise. Le but de Dieu, la Shabbat, Yahweh, c'est pour nous amener vers la sainteté. Dans la sainteté de Dieu, nous sommes en train de vivre le merveille. L'orateur a continué, disant, « Dieu marche puissamment avec ceux qui ont conscience de sa présence avant de chuter par dire que la puissance de Dieu finit par se charger de nos ennemis. L'Assemblée des dieux a passé de forts moments dans la prière pour la manifestation de la puissance de Dieu. Le programme de 21 jours continue à l'église Source Féconde chaque jour du lundi au vendredi de 16h30 à 19h juste et dimanche avec un seul culte de bonnes nouvelles.